République démocratique du Congo et surtout côté abino au parfum et à la situation et à la politique sécuritaire économique nion sur les collègues n'a étendu la République démocratique du Congo et surtout beaucoup plus qu'obéta ma solon à colombie sa l'olingé canimbo kazali kotambola et ali très important et congolais nion so aïeba et situation yambo kanaï tous ali wapi to outi wapi tous ali wapi tous ali kokende wapi les lobongo to kobeta ma solo et l'ombo n'a moins en boca Robert Nkoumou Oazali Moko, ya ba ancien ya kati ya parti au pouvoir le lo UDPS. Toko beta masolo na ye pour na kolandisa ba situation nyonso ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo. Tolobela UDPS, tolobela marche ya opposition, tolobela le lo oyo vie politique ya ba opposant na République démocratique du Congo ezali garanti to ezali garantite. Tout meka un peu kokota surtout na ba situation mosusu ezali ko préoccuper biso nyonso na kati ya République démocratique du Congo. Yango raison d'être ya Mokolo Mwalelo, il y a une mission à Bissou et à Lelo, tout comme un peu comme cela, n'a moins un boca Robert Nkoumou, on a dit que c'est un beauté, moins un boca Robert Nkoumou. Un beauté, un des journalistes, n'a tondi et botondi, n'a bobé qui singaï, Lelo, Mbalabi Balé, n'a plateau Nabino, pour tout solo là, n'a bi maïkolo. Notamment l'information, l'actualité, ils ont tourné autour de la marche qui samedi passé. Ils ont koufa ebele, puis ils ont ebele, notamment aussi ils ont dit qu'ils ont élection. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils Voilà, mon amboka Robert Nkoumou yambote tome kakosolo la na ba sujet nyo sezali na kati ya émission na biso ya lelo question moko motuna moko oyo tokotuna lelo oyo na yo lokola ancien ya UDPS lelo oyo est-ce que UDPS santé politique ezali malamu bon na oyo wana lelo na kasi mbaleleki na lobaki makambo ya UDPS to sola ki awa to la kisaki Dengue Lingomba na biso za kokambama ezali kokambama ndenge ya malamu te zambi to kende ki na ba na congrès na 2018 to tiaki président Félix na manda na ye Il y a un article, il y a un statut de Nabiso. Le mandat est allé 5 ans, renouvelable une fois. Il y a un vote qui est le 31 mars 2018. Le 31 mars 2023, le mandat est allé à la Batonion, il y a un nom qui est Tant que l'élection, Papona qui est président de la République, article 96.2 de la Constitution, et puis qui s'y est à Kamba, na Ekolo, puis na Lingomba, na Yango, et Sengele qui, Atika, Lingomba, na Maboko, ya Bandi Kongo et Susu, na Tokei, Mboulamitan, et Lokomoko et Salemite. Et alors, les lots, le congrès peut s'alimenter, les lots en harmonie, les lots sont 24 mai 2023. Peut-être ma 31 jours ou 32 jours, c'est ni à convoquer. Dépôt de la candidature. La convocation, il y a. Élection législative nationale pour être déposé à la candidature. Dans mon unité, le Congrès peut se limiter. Mon tout mon côté, je suis en ça pour que tu aies un an à signer la liste à l'IDPS.
Donc, tout ça pour Kende, dans le dégât, il y a un bataba. Tout ça, bateau, tout ça, les mis. Moi, je suis à la colonie. Tambola, je suis là encore, mais biso, tout ça, bateau, tout ça, tambola. Je suis là, et pembe na ma ponami. Ils ont l'ingi, ils ont sangai mawa. Et peut-être, baninga basusu bazali na ba projet pour ba bomalingomba. Zami basali, na yuka ki baloba ki basala ba mosaïque, ba parti politique. Ba kusala ba parti politique, il depuis ce kusala na ba candidate eza soni. Et soko, dans 30 jours de ticalité, to sangani, tout y a bateau, ba kosidye ba liste tabiso. Et vous allez à la Sony, et puis l'ingomba est beaucoup. Les gens qui ont été à l'ingomba et de PES, l'administration est beaucoup plus grande que moi, Namboka, Augustin Kabuya, moi, Namboka, Robert Nkoumou. Donc, Nabandi était les gens qui ont été à l'engagé à l'administration et à partir d'Augustin Kabuya, moi, Namboka. Oui, sur le plan de fait, le monde a horreur du vide. Mais sur le plan de fait, oui, mais sur le plan des droits, Aza secrétaire général était. Azali, mon cambiaï de peste. Vous que yé, ma vota yé, président est parti. Vous que article 23, il y a statut yé de peste. Et l'obi seul, le président du parti engage l'I de peste auprès des tiers. Et Esther, en justice, tout le monde. Il nomme et révoque le cas échéant. Les animateurs, les membres du parti. Donc, depuis 2019, prestation à serment à président de ce qu'il dit, il y a un vide juridique. Il faut tous se voiler la face. Et peut-être que le président de ce qu'il dit, il y a eu, secrétaire général, il avait nommé le secrétaire général. Kaboun à Kaboun, Jean-Marc. Et bon, il y a comme secrétaire général, il est autoproclamé. Mais et bon, même Sokaza, secrétaire général, l'article 23 ne lui donne pas droit. C'est le président du parti élu qui engage l'UDPS. Ce n'est pas le secrétaire général. Na UDPS. Pourtant, il y a un statut, il y a un parti politique, il y a un journaliste. Il y a un journaliste. Il y a na IDPS, organisation IDPS, c'est ali d'abord organe, na statia, ba statia lelo. Eza congrès, présidence du parti, na convention démocratique. Le secrétaire général est dans la présence du parti. Il est le coordonnateur de l'exécutif. Il est le président. Il est membre de la présidence. Il n'a pas les prérogatives d'engager l'UDPS auprès des tiers. Seul le président du parti. Mais autant qu'il y a un statut, il y a un parti politique. L'UDPS, malgré tout, le statut est Zali. Malgré tout, écoutez. La fois passée, je suis venu parler de l'UDPS. Nous sommes venus ici parler de l'actualité. Entre autres, tout n'ingaï ma campagne de paix. Je vous ai donné ces contenus. Sur le plan de fait, Kabuya est le secrétaire général de fait, mais il n'est pas le secrétaire ni légitime ni légal pour engager l'UDPS. Et Esther, le parti au tiers, il n'a pas été nommé par Tshisekedi. Et le mandat du président a été échu. Depuis le 31 mars 2023. Par conséquent, aujourd'hui, il n'y a personne qui engage l'UDPS légalement. Je dis bien. Est-ce que Toyaki Kouloba Makambouana ou tu. Je te donne des précisions. Et les précisions, nous pouvons tourner cette page. Naïbi, si que aujourd'hui, Tanga statut à l'UDPS, et je vous donne des références. Article 23, seul le président du parti engage l'IDPS auprès des tiers.
Et ce qu'on tangue statut de l'UDPS, il y a trois organes. Il y a trois organes. Le Congrès, la présidente du parti et le CDP, la Convention. Et la Convention, l'article 30, n'est qu'un organe de concertation. Ce n'est pas un organe de décision. Seul le président du parti décide au nom de l'UDPS. Voilà, mon amboka Robert Koumou, est-ce qu'aujourd'hui, lelo namoko na biso lelo, peut-on soutenir l'individu ou soutenir l'idéologie, bien l'idée ya moto? Mais c'est pour cela que nous parlons avec toi. Moi, je suis cofondateur de l'UDPS. Quand je vois les gens parler, tous ces jeunes politiciens, même l'opposition, ils sont venus après. Moi, j'ai adhéré à l'UDPS en 83, à 85, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez terminé. Et certains opposants que je vois aujourd'hui, ils sont venus, ils ont appris le combat chez nous. Nous les avions appris comment combattre la dictature. Quand je vois Mafa, et après, c'est vers 92, 93, il est entré dans la conférence d'action souveraine. Et non. Nous, on adhère dans un parti politique par l'idéal. On n'adhère pas puisque tel m'a donné 100 dollars, l'autre m'a donné 1000 dollars, l'autre m'a donné au prix offrant. Non. Je vous assure, moi je suis de l'Équateur. En 85, Mobutu était président de la République. Il incarnait tous les pouvoirs de la RDC. Mais nous l'avions défié, nous avions dit non. Quand j'attends quelqu'un de fanfaron, on va arriver, dire le Kassaïen, le Kassaïen. Nous, on a soutenu Tshisekedi avec les siens, dans l'UDPS, mais il était Kassaïen. Et Mobutu était équatorien. Parce que il incarnait de valeurs. C'est ça les valeurs. Pour soutenir Moto, pour ce qu'elle a une belle costume, il a une belle voiture, à peu près 6000 dollars, pour qu'il y ait un endroit, comme il faut la tique. Non. Qu'est-ce qu'il présente comme valeur? Il a quelles idées? C'est ça. On n'adhère pas dans. On ne fait pas politique, la politique pour s'enrichir. C'est ça aussi. Le danger que guette notre jeune démocratie. Matoubazou, il y a la politique pour s'enrichir. Et je regrette, les hommes d'affaires laissent les affaires, ils vont en politique. C'est pour perdre de l'argent. Non, parce que les lois politiques et comme le cola et sika oyo, oui, à vivre bien la vie, c'est la politique. Et aussi là. Du sila et aussi là. Même jeunesse n'a pas aussi là. Je vous dis, je vous dis, vous allez vous contenter de votre argent, de votre salaire, au Koyibate. Mais on fait la politique comme un apostolat. Vous êtes au service de la population. Nous, franchement, mon fils, tant que Bissot d'Ouzali, Naïd Epes, tant que Banonantiwana, tant que Mobutu créé, association, Bongombe Boulou, nos amis, ils ont créé des associations. Mbongo, moi, mon grand frère,
comment Antoine, député, commissaire du peuple Yabiko, mon grand frère, yé naba vie mon lebe, mon bout d'apesi, bango bongo, ba pesa ba jeune équateur, ba créé ba association, ba parti politique. Ba bongo beboulou, ba boufasa djema, tous les jeunes de l'équateur que vous avez vu, ba créé ba parti, mbongo, mi kombo sou ba carton. Moi, mon grand frère m'avait dit, ah, comment l'ongwa ne loko ya balouba? Moi, je dis non, moi je ne peux pas adhérer na loko ya mbout. Il vous donne l'argent pour distribuer aux gens. À un moment, il n'y a rien. Je refuse. Parce qu'il n'y avait pas un fondement. Et à la... Mais... Le 17 mai, quand Mobutu partait le 16, ils ont fui, certains ont fui. Parce qu'il n'y avait pas... On avait battu sur le sable. Donc ici, les choses... Franchement... On n'adhère pas au parti, on ne fait pas la politique pour s'enrichir, mais on vient pour servir le peuple. Ngaï, un jour, je suis avec Étienne Tshisekedi. Il me dit, Nkoumou, au moni, les gens risquent de regretter d'avoir combattu. Parce que ce qu'on a toujours pouvoir, tout le ministre, tout le PDG, il faut y aller que Mbongo Yozui, il y a ministère na yo, frère à fonctionnement ministère na yo. Et ça Mbongo na yo te. Mbongo ba pesi aux ADG, il y a entreprise. Et ça Mbongo na, et ça Mbongo y a entreprise, Mbongo y a l'État. C'est pas votre argent. Mais si vous aimez, vous soutenez un parti politique. Vous voulez avoir l'argent, faites les affaires. Nazo regrette Moïse Katoum, il sera pauvre. Moïse Katoum sera pauvre. Il va engloutir son argent en politique sans dividende. Franchement. Parlons des... si vous faites les affaires, Étienne me donne cette idée. Alors, tant au salib à faire. Vos amis qui sont dans les entreprises, qui sont au ministère, ils vous accorderont le marché. Au qu'on fournit vos biens et services, l'argent que vous aurez, ce sera votre argent personnel. Et vous aurez plus d'argent que le ministre, que le DG. Mais moi, je regrette. Et Moïse, il doit laisser l'argent. Il vient en politique pour perdre l'argent, puisqu'il va, il va distribuer, puisque... Il n'a pas la popularité, il va distribuer l'argent. Et Toké, il n'a pas l'élection, il perd. Et l'argent, après ma élection, il n'aura plus rien. Et s'il faisait ses affaires, il serait le meilleur homme d'affaires de ce pays et le plus riche. Donc, moi, j'avais vu, je m'excuse, je vous donne, j'avais constaté, Bemba Saolona. Bemba. Avec le Sube Zaï. Tant que démocratie y est, c'est là qu'il avait commencé à perdre de l'argent. Et quand son fils, Bemba, Aye, a eu ambition, il y a que ça là-bas à faire. Politique. Et Bemba a importé. Son imprimerie, a Yéhi a importé Bilok pour imprimerie. Bazo Sala. Et Sibé, quand on a proclamé son enfant perdant, la société était à la veille de la faillite, au bord de la faillite. Aujourd'hui, s'il serait vivant, il n'y a rien. Mais non. Si on veut avoir l'argent, beaucoup d'argent, n'allez pas en politique. La politique, c'est un apostolat. Vous êtes au service de la population. Je vous donnerai aussi un exemple. Amasco Kisombe, papa ya Kisombe. Hein? Quand
Abasco qui sombe, tangoise, à longue que ça là va faire, à quoi dit la politique, il a tombé faillite. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Non, moi n'emboka Robert Kumulelo oyo to meka un peu ko parler d'abord na vie politique ya bo opposants. Est-ce que la vie politique des opposants lelo ezali garantie na République démocratique du Congo? Comment na lolenge kani ya des accrochages, to parler na accrochage et salami entre Moïse Katumbi na la police na niveau ya frontière ya Congo central. Est-ce que il fallait essaler mabongo ou soit fallait gouverneur apesa ye accès à kota na kati ya province? Non. Au moins, mon fils, c'est une aberration. C'est ce que j'ai dit. L'opposition politique est garantie en RDC, la loi, si le parti politique garantit l'opposition. Et la Constitution garantit le multipartisme intégral. Le Congo, c'est un État démocratique. Pour l'accession au pouvoir, c'est par la voie des urnes. L'opposition est garantie. S'il y a les excès des zélateurs, excès de zèle, de non-maîtrise de la Constitution, hein, ça, ce sont des dérapages. Des enfants qui ne sont pas outillés pour la politique. Cela met en cause le fonctionnement des partis politiques. Le parti politique, c'est là où on forme les politiciens. Aux juristes, aux journalistes, aux économistes, aux linguistes, aux ceci. Au côté d'un parti politique, on vous apprend comment gérer, comment diriger l'État. C'est un parti politique. Puisque là-bas, vous êtes dans le pluridimensionnel. Vous travaillez sur tous les domaines. Et alors là, vous apprenez comment gérer l'État. Et quand les gens, ils viennent d'où, je ne sais pas, on lui donne, il est gouverneur. Est-ce qu'il sait comment gérer même une entité territoriale décentralisée et aider? Est-ce que Ayebindengenini, fonctionnement, il a été aidé? Non! D'où? Bon, pas excès des gels, non. Mais la Constitution garantit à tous les Congolais de s'installer, de circuler et de s'installer là où ils veulent. Moi, je suis de Bikoro. J'ai pu aller m'installer à Mbazangong. Personne ne peut m'empêcher. Et quand on ne demande pas une autorisation de sortie, je vais à Lubumbashi, je suis équatorien, je paye mon bien, je vais à Lubumbashi, j'ai mon argent, je paye l'hôtel, personne ne va me demander pourquoi je suis à Lubumbashi. Il n'y a pas d'autorisation de sortie ni d'entrée. Ça, ce sont des excès d'apprentis sorciers. Ils ne savent pas le rôle d'un gouverneur. Puisque ce sont des jeunes gens qu'on a recrutés ça et là, même parti à Mouna Bango, Yabahati, le Kwendo, AFDC, bon, c'est quelque chose qui est créé ici. En 2015, avant l'élection, il n'a pas intériorisé la gestion d'un État et on l'a recruté comme ça, puisqu'il se connaît avec Yabahati, on l'envoie gouverneur, et il commet des bêtises. Et surtout que, Tourabiso, les partis politiques ne forment pas les gens. Puisque nous, de par notre projet de société, et nous l'intériorisons de A à Z. Et nous savons que, au moment où nous avons Fatih Béton, Fatih Béton, vous savez l'explication à Fatih Béton? Vous savez pourquoi? Ça, c'est notre mode
de faire les routes, de par notre relief du Congo, on avait étudié ce qu'on toujours ça là-bas, macadam, banzila et zokatana, et zoboukana, il faut bétonner. Ça, c'est notre manière de faire des routes, bétonnage. Et quand il est venu, et quand il est allé dans l'avenue du commerce, on a un béton, enfin, béton. C'est notre manière, il y a que ça la bandela. Puisque notre relief est un marécage. Hein? Et donc, quand vous l'appelez, vas-tu béton, et vous êtes à la longue, puisque macadam, c'est un nom d'un individu. Maintenant, vas-tu béton, c'est les routes bétonnées. Et vas-tu béton, et ça devient un nom pour lui. Voilà. Mon amboka Robert Kumu, est-ce que les loyaux, bah manifestation na kati ya ville province de Kinshasa, on peut te coller bah les loyaux, est-ce qu'ils allaient garantir comment on a l'olenge kani marche ya opposition Salema qui na samedi le 20 mai passé, l'olenge kani bah policiers bah allaient bah contenir déjà bateau, mais bah allaient kobeta bateau, ko maltraiter bateau jusqu'à ce que tout moni l'olenge kani même communauté internationale bah koti likambo talaki mwana oya mokie ya mineur oyo bah kangi mwana bah maîtriser mwana ole batinda e pas juge naturel naye mais la police a maltraité mwana jusqu'à ce que ko blesser mwana. Est-ce que manière ya kosala bongo, est-ce que ezali illégal na kati ya mboka na biso? J'aimerais ce point tout changer, mais tout d'abord travailler si cette question. Je voudrais que au Tiango, de manière pédagogique, puisque manifestation publique est allée dans la méthode. Non. Cette question, Ngai Robert Kumu, je condamne l'homme le Oyo à Sengeli, va interpeller le premier. Par les services de sécurité. L'enquête, c'est le gouverneur de province. Pour moi, le gouverneur Ngobila, en autorisant trois activités politiques, Mokolomoko, il avait voulu, et ça là, un carnage dans la ville, une guerre civile. Et moi, j'habite Massina. Je l'ai vu, un maire de la ville, le maire de tous les Quinois, il va faire un meeting d'un parti partisan. C'est une infraction. Et je me demande si le président du parti, de la République, qui est notre président du parti, il est empêché de ne pas gérer le parti. Ponanine. Parce qu'il ne peut pas être juge parti, il ne peut plus faire le partisan. Il est le président de la République de tous les Congolais. Comment lui peut aller faire un meeting avec l'UDPS? Ça ne sera que 90 jours avant la fin de son mandat. Il revient au parti, il bat campagne électorale pour sa succession. Mais pendant qu'il est en exercice, il ne peut pas aller. Ah ben, il dépêche ça sur la meeting. Et de même, les gouverneurs. De même, les gouverneurs. Il est le maire de la ville de Kinshasa, de tous les Quinois. Pouvoir et opposition. Même l'aspect Wana, il faut qu'il soit interpellé par nos services de sécurité. C'est la première personne qui doit être interpellée, la première, c'est lui, Ngobila. Simple. En acceptant en même temps marche et opposition, en même temps marche et ligue de jeunes et UDPS, en même temps installation et ligue de jeunes et à partir de l'ACP. J'apprends la marche de l'opposition. Est-ce qu'il y avait une marche de l'opposition à Kinshasa? Il y avait une marche de l'opposition et du pouvoir. C'est là où se situe le problème. Est-ce qu'il faudrait-il le maire de la ville, le gouverneur de province de Kinshasa, a
a autorisé le même jour trois activités politiques. Non. Voilà les dangers. Quel que soit après ça qui bango ba itinéraire différent. Soko ba koutane. Bon, supposons. Ba ou ba kei sa kombi, non? Opposition, na sa kombi, départ na bango. Ba ou yo, ba kei nga ba non? On a grand point gao. Tant que ba zoya, ba ou ba zo kende boy. Ba ou ba zo kende boy. Ba koutane na victoire. Hein? Supposons. Ba ou ba ou ti ba sina. Ba ou ti nga ba ba zo kende sa kombi kitambo. Bentek. Hein? Ba ou ba ou ti kitambo, Lingwala, Gombe. Ba zo kende nga ba ba koutane na victoire. Conséquences que vous allez dire. Affrontement de. C'est pas ordinaire, mais ce que nous déplorons aujourd'hui, pour la première fois, Ngaï n'a commis ça, la police. La police a fait un travail exceptionnel d'avoir même contenu une partie de l'opposition. Mais est-ce que Zalaki, c'est qu'on peut appeler aujourd'hui acharnement à l'opposition? Acharnement. Parce que comment la police a contenir seulement l'opposition et a laissé les jeunes et il ne peut pas. Il n'y a pas de point. Il y avait aussi l'itinéraire. Ils ont discuté l'itinéraire. Parce que dans l'hôtel de ville, ils ont organisé manifestation à la veille. Moi, je me souviens, en 2006, avant l'élection. Hein? Nous, l'IDPS, nous avions, puisqu'on a. Nous n'étions pas aux élections. 2006, l'IDPS, à Salagi, politique à chaise vide. Oui. Nous n'étions pas aux élections. Mais nous avions voulu organiser une marche à la veille. À la veille. On a clôturé la campagne. Tout y est dans l'hôtel de ville. Tout sali. Tu es dans l'hôtel de ville. Tu négocies, tu es dans l'hôtel de ville. La MONUSCO, la MONUC, Comité international d'accompagnement des transitions, hein? Hôtel de ville, tu négocies, ton lobby, tu es dans le tambour. Bango va lobby, bino beaucoup tambour la terre. Bino, vous n'êtes pas parti prenant dans l'élection, vous ne pouvez pas marcher. Ah, bisoto marché te. Bisoto ko marché li soussou te. Tozongi. La fête, il y a campagne électorale. Et le matin, Bemba rentre. Bisoto bi bon, bisoto zo ya Bemba. Vous changez de méthodologie. Ah, toujours yamba bemba. Toujours ça, effacer des tableaux. Bemba, en Allah, c'est là qu'il a 6%. Tant qu'à Lunguyawa, début campagne, il avait 6%. Hein? Et quand Mokolowana, tant qu'à Yé, à coup, batonné MLC, batonné à l'aéroport, bisotoko souka, gaga na mikondo. Tu as mis Bemba na mikondo. Et quand on est entré, ti la main. Les conséquences, on avait déploré mort d'homme. Hein? À la fin de la campagne. Maintenant, on avait négocié. Ni la MONUSCO, ni l'hôtel de ville ne pouvaient pas nous condamner. Et puis, ce peut être le bas qui est aussi bas. Et Fiji, il y a eu des pestes. Tu aussi vas bien au Gremel, c'est. On n'avait pas. Boyokani, itinéraire, Toyokani. Et Soko. Et ici. Heureusement, la police a été professionnelle. Puisque ma policier, c'est rare, ma policier.
biso tuza baba professionnel biloko wana parce que depuis tout ce que quand nous étions jeunes hein tu es ba to ya impere tuza iko buna la bango ba jano pétrole tout ça hein mais cette fois-ci ba policier ba zoki plus que ba civil c'est que ba civil bazalaki da prémédiatisation ça c'est un de deux. On va dans une manifestation pacifique. Pourquoi le leader de l'opposition avait armé les gardes de corps? Pour quelle intention? Non, parce que de l'autre côté, ils allaient dans la dynamique. Il y a eu deux paix spécimagées, ils arrivaient dans ma machette. Moi. Non. Bon, le but, ok, il marche pacifique. Et vous armez. Il y a un leader politique. Jamais, moi, je n'ai pas dit qu'il y a un leader politique. Il marche. Hein? Il y a un arme. Mais puisque nous, l'UDPS, nous sommes de la non-violence. Ça, c'est une de nos valeurs. Non-violence. Ça, c'est un. Le deuxième et troisième élément, ma parti politique, la loi si les partis politiques, la loi 004/08 portant organisation et partis politiques, on détermine les tranches d'âge de recrutement de membres. C'est plus de 18 ans. Comment peut-on prendre les enfants de moins de 18 ans quand on n'a pas marché? Beaucoup soit, j'ai vu les images. Beaucoup tiens, bah image, wana, la émission. Oh yo, moi na wana batteye bouclier, imé. Bouclier imé. Azoba mama banga. Azoba mama banga. Un enfant de moins de 18 ans. Pour recruter, vous voyez bouclier imé. Isa mabe. Moi na, bana na bino, boti di bango na pote, na classe. Bana bandi na bino botini bango na atene boboto na lupio awa na école belge mais moi na avandi na masina boye na eti na ngaba po bozoye bouclier humain et puis bobo sala biloko yo so ka kufak. Mais est-ce que l'opposant va lobby et bango ba zwa ki mwana te mwana bimi na classe? Ah non, mwana ndenge si est-ce que azala ki na ini azala ki na uniforme après image 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 ngai na monaki image lina photo ena ezali ya mwana uti école te mais na moni c'est là où je salis vice-premier ministre intérieur, tant que na maman et moi à l'hôpital, à tout ni maman, yo maman et moi à sol, au vent de la kawab, tu vas y na machine. Bon, moi na outa, moi na ya, je vais na machine, tingaba. Po attendre à quand na ngaba. Peut-être avant la réponse encore. Il y a une image qui est là, le comportement est là. Il y a une troupe qui est là, il y a une machine. C'est ce qui est là, moi, je suis là, 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 je suis là. Moi, depuis que Tonga l'a été, je suis là, 10 dollars, 10 000 tokens. Je suis là, bombo. Les enfants sont manipulables. Hein? Mais, répression, oh yo, on est des journalistes. La police, je me souviens, Kanyama, oui, mais Kanyama. Le général Kanyama. Tango, Azali, directeur, il y a une école. Et la police, à l'obaki, envoie-moi vos meilleurs enfants. Et ne m'envoyez pas
les enfants, vos pourritures, pour vous dire comment la police. Moi, je connais les ratés de Lévin de Baron, mais pas comment la police. Et c'est là où je demande na VPM Kazadi, bah ça la sélection, il y a recrutement par policiers, c'est le métier de l'ordre. Ça l'été que vous avez un parti pour ça, Mouzé Ayakia ou à Salifap, bah quand si bah Kadogo, les lois, bah Komi, bah Kuluna, alors notre société est baby. Donc il faut un recrutement. Et puis, qu'on applique notre programme. La fin des études secondaires, après les études secondaires, il faut recrutement. Il y a bana, na armée, na la police. C'est-à-dire, un enfant qui termine l'université, l'école secondaire, il a au moins une capacité, il y a réflexion. Vous voyez, vous êtes en armée ou bien dans la police, tout nous aurons un corps de police organisé. Mais nous n'avons pas de gens dans la société. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, le problème dans notre société, c'est un problème d'homme. Et le problème d'homme est avant tout moral. Et la non-prise en compte des principes éthiques. Mon dernier société n'a mis ce coma. Dépravation de mœurs. Incompétence, c'est où taper na carte, il y a homme politique. Et même aujourd'hui, toujours parler incompétence et compétence, c'est comme une monnaie courante. Et alliés où taper na homme politique. Et puis na ba institution, même na ba secteur. Oui. Même na carte, il y a un parti politique aussi. Nous parlons même langage. Vous ne m'avez pas contredit. Le parti politique récrit est où? Récrite dans la société. Les problèmes de notre société, c'est les problèmes d'hommes. Et les partis politiques récrites dans cette société où les hommes sont immoraux. On n'aura qu'une société de délinquants et même des dirigeants délinquants. Yo mouna wapi moto, moto, aibi, bazo benga yemo pao. Yo mouna na quartier na binou, là où vous êtes. Quelqu'un qui détourne l'argent de l'État, bazo benga yemo pao. Quelqu'un, oyebi ke azad directeur, na ou fida, mais il construit un immeuble. Il y a 5-10 étages, bazo ya azad mo pao. Mais il faut beaucoup. Ce que vous avez dit, du moins aujourd'hui, tu vas comme un peu son. Ce que vous avez dit, comme non, même si vous avez dit, vous avez publié, vous avez fonctionné, vous avez dit salaire. Ce que vous avez dit, vous avez dit salaire. Bon, dans le quartier, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, puisque il prend les salaires d'autrui. Il y a 30 salaires. Et dans le quartier, il y a un payé. Les non-payés. Il y a un salaire, mais il y a un quartier. Parce que lui, il est non-payé. Lui, il a 30 salaires. Tant qu'on va rebibiser les bandes, même si on a un salaire, quand il passe à la cité, il y a un 10 salaires. Aza Moïb. Et cette sanction populaire, ils ont un impact sociologique. Même si on a quoi dit de l'autre côté. Voilà, moi, je suis Robert Nkoumozali, bongo cofondateur et parti au pouvoir, Lelo IDEPES, et Tchène Tshisekedi. Lelo, question, na banza misato, pote to chite na biso. Question à Liboso. Étant cofondateur, il y a UDPS Lelo. Lelo, UDPS est milité et bundi pendant 37 ans de combat dans la opposition. Lelo, UDPS dans le pouvoir. Bon, combattant, Bazali, Kolele, Bazali, Kosi, retrouvé. Réponse, non, Ezaline. Non.
Je pense que cette réponse, je le dis. Je le dis. Si on a dans une société composée des immoraux, voilà comment le président de la République dit ce qu'il dit. Il se bat. Au lieu le bas, il dépense le bas, le pays. Puisque nous avions lutté pour mieux gérer le pays. N'est-ce pas? Il dépense une organisation informelle. Mais nous avions accédé au pouvoir. Et vous voyez que Tshisekedi se bat seul sur le terrain. Il n'est pas accompagné. Il n'est pas accompagné. Il est seul. Et vous le voyez, il est en même temps diplomate, en même temps ministre de l'Intérieur, en même temps ministre des Sports. Il fait tout à la fois. N'est-ce pas? Au Romunaye, à quel hôpital? Kouta la Bazouki dans la marche, n'est-ce pas? A Outikuna, à Kei, na stade, Kouta la Bajé à Francophonie. A Outiboye, à Kei Boye. Parce que il est seul. Mais est-ce qu'il n'est pas, accompagné? Est-ce qu'il a les moyens de accompagner dans la lutte il y a 37 ans? Il y a eu deux personnes, il y a eu combattants, il y a eu intellectuels, il y a eu 4. Pourquoi seulement puiser dans Kabili, il y a travaillé dans Mobutu, il y a travaillé dans Laurent Désiré Kabila, il y a travaillé dans Joseph Kabila? Ce sont les mêmes personnes qui ont poussé dans la Pemène, il y a Félix Tshisekedi, du président de la République, ce sont les mêmes personnes qui ont brigé le poste minéral dans Mboka. Aussi longtemps que Nakati a aussi à IDPS, aussi longtemps que Nakati a allié à IDPS, il y a aussi des gens qui sont combattants, il y a aussi des gens, des jeunes qui peuvent vivre dans le monde, classe, ils ont la capacité, il y a brigé le poste ministériel, le poste mandataire pour que les gens puissent pousser la République de Liboso. Mais toujours, nous qu'on s'est fié na bande ko oyo basali basali ba lakisi déjà nyonso na kati ya mboka na biso au détriment ya ba combattant oyo bazali ni ma posa pe lelo ba se retrouver. Aussi ces questions là président ce qui est au salami, je vous donnerai mon problème personnel, un échantillon de tous les cadres du parti. Tshisekedi akosa la ligne. Pour mettre un gouvernement, c'est le Parlement. C'est la majorité parlementaire qui met en place le gouvernement. Tango te komi na 2018-19, to kei na FCC FCC cache tout ça, les coalitions, non? Les dépenses d'un parlement Oyo et les alliés, basés à 32 députés sur 500, même pas 10%. N'est-ce pas? Moi, à ce moment, tu sais qui l'a concerné? Tout le monde, on a tout ça, l'Union sacrée, avec le même parlement. Ma responsabilité au sein de l'Union sacrée. Bakota la poids politique de tous les groupes parlementaires. Voilà. Merci beaucoup, président. Na bandi ete balandi ya Congo Live Télévision. Toko soye sous tango ya kosolo na président Robert Nkumu. Na bandi ete tokuta na mikolo ezali koya. Botika la malamu na mabote na bino.